Good morning, Aleiden. Les yeux soient aujourd'hui les refouettes Refeldov Yosef Ben et Refeldov Ben Yudit, Beton Shakul Israël, ainsi que les Lunishmat, Abraham Chenor Ben Fortune et Mazal, Dida Batester Yakov Nissim Ben Chana Makhlouf Micha Ben Masouda et Nachman Yosef Ben Nachum. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah à contacter la 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet Ketout, Perek Vav, Mishnah Tet, la dernière Mishnah de la Maserhet. Rabbi Shimon Omer Kevasim Kodmin et Izim Bechol Makom. יכול מפני שאין מובחרים מהן, תלמוד לומר, ואם כבש יביא קורבנו לחטאת, מלמד ששניהם משקולים, נשמעת לה דג'ה שתרדיו תוצוית, סס רפטי אנשוית, סחל מפרנסית, נורא, בנות קונפיגורציון. לרבי שמעון קונסטט, נטול איזון רוע, או לתורה, אלא אבוקה, כג'יורא לשועה, אונטרו דו סורט, דניה מל, פור, אפור פורטקיטי דה קורבן, אונוקורנס. Par exemple, dans le Corban Pessah, on a la possibilité d'apporter un sexavim au seizim. Un mouton de la famille des moutons, un petit. Un agneau de la famille des moutons et un agneau de la famille des chèvres. Si on veut traduire sexavim et seizim. Un petit de la famille des agneaux et des moutons et un petit de la famille des chèvres. Ok ? Idem pour le Corban Khatat. Mais Yavi, les Khatato, je ne sais plus comment c'est dit, Kisba au seira. Une kisba au seira. Constatez constamment que la Torah, kvasim kodumin la izim bechol makom, le keves, le mouton, devance toujours la chèvre, de partout, dans toute la Torah. Quand la Torah évoque les deux, c'est toujours le mouton avant la chèvre. Peut-être que yachol mipene shen mouvcharimen, peut-être qu'il faudrait déduire de là qu'il y a une priorité à apporter des moutons avant le chèvre. En l'occurrence, si j'ai fait le vœu d'apporter un korban shlamim, et que j'ai dans mon troupeau, j'ai à la fois des chèvres et des moutons. Peut-être que je serai imposé d'apporter toujours des moutons avant les chèvres. Réponse, non. Talmud Lomar, c'est pour ça que la Torah t'a enseigné dans un seul endroit, une petite exception, lorsque je vais faire le Korban Khatat, que ensuite, lorsque la Torah t'explique comment tu feras le Korban Khatat, la Torah commence d'abord à nous préciser comment on fera si on apporte une chèvre, et après la Torah me dit, Yem kevas yavi korban ol khatat. Ici, il apportera un mouton en khatat. Et là, pourquoi la Torah l'a inversé? Pour t'apprendre justement que Melamed Sheshnem Shkulin déduit de là que les deux sont équivalents. Jusqu'au bout, il n'y a pas de priorité au mouton sur la chèvre en réalité. Ok? Deuxième sujet maintenant, avec les volailles que l'on apporte au Benamikdash. De nouveau, on a deux familles de volailles. Soit les taurines, soit les bneyuna. Ça, soit les taurines, c'est les tourterelles, soit les bneyuna, c'est les pigeons. La Torah nous dit toujours Yona. Yona, c'est un pigeon, mais Ben Yona, c'est un petit du pigeon. Parce qu'en fait, le petit, on apprenait ça dans Choline. Le petit, les pigeons, on les apporte jusqu'à un an, et les torim, justement, c'est à partir de un an qu'on commence à les apporter au Beth Amikdash. Donc en fait, Ben Yona, il vient faire référence à l'âge. En tout cas, à chaque fois que la Torah nous dit d'apporter les deux corbanotes, alors elle insiste en disant torin ou Ben Yona. D'abord des torin, et aussi des Ben Yona, des Ben Yona, des tourterelles et des moutons, et des pigeons. Peut-être que Torin konmin de Ben Yona Bechoma, comme toujours la tourterelle devance dans l'ordre du Pasouk au pigeon de partout. Yachol mipeneshen mouvcharin mehen, peut-être qu'il faudrait déduire de là parce qu'ils sont plus préférables, plus appréciés, peut-être faudrait dire de là qu'ils sont plus appréciés par du ciel. Et de ce fait, le même principe, si je veux faire un korban shlamim, un korban ola, je vais apporter des volailles, peut-être que je devrais préférer a priori des tourterelles. C'est pour ça que la Torah me dit, Talmud Lomar, là il y a une la Torah, le pasouk est venu m'apprendre dans un endroit, à propos du korban de la Yoledet, la femme qui a couché, eh bien, ou Ben Yona otor le khatat. La Torah a une seule fois fait exception en devançant le Ben Yona, le pigeon, avant la tourterelle, en korban khatat. Mais la metcheshnem shkulin, pour que tu déduises de là que les deux sont équivalents. Selon le même principe, la Torah maintenant va nous parler de la misat kibud avayim. Ha'av kodem la'em bechol makom. De partout, à chaque fois que la Torah elle a évoqué la misat kibud avayim, ou bien non, chaque fois que la Torah elle a évoqué les parents, elle a toujours mis en avant le père avant la mère. Même dans le parasha du Ben Sorer Omri, il y a marqué avivu mim ou veimo, toujours le père avant la mère. Peut-être que yachol shekvod ha'av odef al kibud avayim. Peut-être qu'il faudrait déduire de là que tu es imposé de faire plus d'honneur à ton père que à ta mère. Ta mère un petit peu, à ton père plein. Peut-être qu'il y a une différence entre les deux. Talmud Lomar, c'est pour ça que le verset a besoin de m'enseigner.
Ish imo ve'aviv tirao. À propos de la crainte de la mère, la Torah elle a précisé là-bas, la crainte des parents, la Torah a précisé la mère avant le père. Melamed, pour t'enseigner que chez Shnehem Shkulin, que les deux sont équivalents. Tu dois les faire avec la même chose, les mêmes conditions, le même entrain. Tu veux faire un bon plat à ton père, tu fais aussi un bon plat à ta mère. Aval amro chachamim, cependant chachamim ont hiérarchisé un petit peu entre le père et la mère, en disant que ha'av kodem la'em bechol makom, en donnant priorité au père sur la mère dans tous les endroits. C'est-à-dire que si tu n'as pas le choix, tu n'as pas la possibilité de respecter les deux comme il faut, d'honorer les deux en même temps, tu dois le faire que à un. Tu as un seul verre d'eau et quelqu'un qui a très soif qui deux, et les deux demandent un verre d'eau. Eh bien, tu l'apporteras à ton père avant ta mère. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que toi, comme ta mère, tous les deux vous êtes imposés de le respecter. C'est-à-dire, c'est vrai que moi, je dois respecter mon père et ma mère. C'est vrai. Mais maintenant, même ma mère, elle est aussi imposée puisqu'elle est dépendante de mon père. Elle est aussi imposée de respecter mon père. Alors il s'avère qu'en réalité, moi, je dois respecter mon père. Mais je dois respecter ma mère qui doit aussi respecter mon père. De ce fait, relation de tchal évidente en les vecteurs, eh ben, j'ai deux bonnes raisons de respecter mon père. Une fois parce que je suis imposé par mon père, une fois parce que même ma mère, elle est aussi imposée de respecter mon père. De ce fait, mon devoir de respecter mon père, il devance sur le devoir de respecter la mère. D'accord? C'est la logique. Aval amrou chachamim, seulement chachamim on dit, le Tiferet Israël, il explique, ça veut dire que c'est des rabbanan, cette priorité. Ha'av kodem la'em bechol makom, que le père devance la mère dans tous les endroits, pour quelle raison? Mipene shehu ve'imo chayviv bechol david, parce que lui, comme sa mère, sont imposés d'honorer leur père. Exception à la règle, donc, celui qui est des parents divorcés. Il n'y a aucune différence entre respecter le père et la mère, puisque la mère n'a plus le devoir de respecter son père. Ils ont plus marié ensemble. Ok? Et dernière partie de la Mishnah, Vechen bet Talmud Torah, idem avec le Talmud Torah. Non, j'ai oublié de préciser quelque chose d'important. En quoi, précisément, Chachamim sont venus nous dire que le kavod du père devant celui de la mère? Alors, il nous dit le Bartanora, plusieurs exemples. Kigon la Shiva Veda, restituer une perte. Je peux restituer que celle de l'un et pas de l'autre. Velif dot mi bet Hachevi, racheter de captivité, j'ai de l'argent que pour un, pas pour les deux. Vele Hachayot, et entretenir pour donner ce qui est vital. Veli frok imo, aussi pour l'aider à décharger son âne. Vim aviv talmid chacham afalpi shenu shekol rabo. Ça, c'est un autre détail. Ok? Kodem etav. J'ai pas fait une erreur. Maintenant, après, j'ai fait une erreur. Ça se rapporte sur la fin de la Mishnah, en fait. Sur le... Mais ça revient en même, je pense que de toute façon, même pour l'honneur du père et de la mère, c'est le même principe. Vechen be talmud Torah. Il en va de même pour le Talmud Torah, pour la personne qui nous enseigne la Torah. Et l'honneur de mon père. Mon rave contre mon père. Contre, si je peux dire. Est-ce que, à qui je donne priorité? En l'occurrence, pour les cas que j'ai évoqués. Le bâtonnerie se porte sur ça, en fait. Im zacha aben lifnei arav. Im zacha aben lifnei arav. Kodem et aav bechol makom. Mipene shehu ve aviv. Chayav yorvodo. J'ai pas compris l'expression. J'ai mal préparé mon cours. En fait. Imzacha ben lifne arav, c'est-à-dire si le ben, le petit, il a appris toute sa Torah de ce rav, alors là, il s'avère que maintenant je suis imposé de deux personnes. Je dois respecter mon rav et je dois respecter mon père. À qui je donne priorité? Eh bien, kodem et av bechol makom. Le rav aura priorité sur le père de partout. Pour tout ce qu'on a évoqué, lui restituer une perte, le racheter de captivité, je devrais donner priorité à mon rav plus qu'à mon père. Pourquoi? Mipeneish, même principe qu'avec la mère et le père, et bien on retrouve avec le rav et le père, qui sont Mipeneishehu ve'aviv chayavin bichvod rabo, parce que lui, comme le père, sont imposés de respecter le rav. C'est-à-dire, moi j'ai le devoir de respecter mon rav, et j'ai le devoir de respecter mon père, mais mon père aussi doit respecter le rav, parce que le rav il est tamid chacham. De ce fait, eh bien je donnerai priorité moi à mon rav directement. Ok? Selon le même principe. Pour lui restituer la perte, pour le racheter de captivité, pour l'entretenir s'il n'a pas d'argent pour vivre. Et voilà, c'est tout pour le Maseret Kritout. Mazal Tov, Mazal Tov, on a fini. On a le droit de boire un petit scotch entre nous. Et pour fêter ça, encore une Maseret Kritout. Ça y est, là, on approche vraiment la fin de Maseret du Seder Kochim. C'est vrai qu'il reste beaucoup dans le livre, mais ça va aller relativement vite. Ça va être des belles histoires
Maseret Meila, c'est encore une Maseret un peu dure, et Maseret Kinim qui est aussi un peu compliqué. Après, Tamid et Midot, ça va plus être sur la structure du Bet HaMikdash, comment on faisait la Voda au Bet HaMikdash, comment le Bet HaMikdash il était disposé. Je vous donnerai en temps et en heure des liens pour obtenir au moins des tracés du Bet HaMikdash, histoire de découvrir ça. Pour le moment, on a devant nous Maseret Meila, qu'on commence tout de suite. Kotchi Kodashim Shchit Sheshachatan Badarom, Moalin Bahem. La Mishnah m'enseigne que s'il y a des Kodshe Kodashim, des korbanot que l'on a égorgés, qui avaient le maximum de Kdusha, on les a égorgés dans la partie du sud du Bet HaMikdash, eh bien, il y aura quand même Meila. On expliquera à Bezrat Hashem tout ça demain. Pour le moment, on va voir un petit Lechaïm entre nous. Mazal Tov, Mazal Tov. Qu'on ait le mérite, Bezrat Hashem, de continuer encore tout Maseret Kodshim. Après, il va falloir envisager qu'est-ce qu'on va étudier, j'imagine. On va sûrement partir sur Seder Moed. On va compléter Moed. Après, on va compléter Nashim. Après, on verra comment on complétera Zraïm. Et ensuite, Taharot tout à la fin, Bezrat Hashem. Mazal Tov, Mazal Tov. Baruch Hata Adonai Yelohenu Melech HaOlam Shehakol Yemid Varo. Kol Tuv Selah.